CDM veut dire Collaborative Decision Making. Il s'agit d'un projet Eurocontrol que nous mettons en place sur les aéroports de Lyon. Ce projet concerne l'ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire, la navigation aérienne, les compagnies aériennes, les assistants aéroportuaires, les services météorologiques et bien sûr le gestionnaire de l'aéroport. Il consiste, le principe réside dans le partage de l'information sur l'ensemble des étapes du vol. Il s'agit donc de mieux partager l'information de manière anticipée, de partager la bonne information au bon moment pour prendre la bonne décision ensemble. Aujourd'hui, je pense que chacun dans notre domaine, on est assez efficace. On a des systèmes, on échange des données. L'étape suivante qui va être franchie, c'est avec vraiment un partage, là, non plus un échange, mais un partage des données, de données qui seront renseignées par chacun pour celles qu'il maîtrise et à la disposition de tous pour prendre les bonnes décisions vis-à-vis de la gestion du vol. Notamment, un point sensible pour nous, c'est la gestion du départ, savoir à quel moment un vol est réellement prêt à partir, en prenant en compte tous les paramètres. C'est aussi bon pour l'environnement, le CDM. Le CDM permet, en réduisant les temps de roulage et donc en réduisant la consommation de carburant, de réduire les émissions de CO2 et bien sûr de réduire les effets de nuisance sonore. Pour les passagers, ça va changer bien sûr globalement la ponctualité des vols, puisque si on optimise les opérations, globalement les vols partiront mieux et plus à l'heure. Mais surtout, ça va aussi changer la fiabilité de l'information. La fiabilité de l'information partagée sera vraiment un gros point fort avec le CDM pour les passagers. Le CDM, ça va nous conduire à renforcer encore notre partenariat avec Aéroports de Lyon. On travaille bien sûr main dans la main depuis des années, mais on se rend compte que les progrès que l'on sera amené à faire dans l'avenir seront vraiment lié à la façon dont on coopère et au renforcement de nos liens, que ce soit à travers les outils ou à travers les coordinations qu'on peut avoir. Nous sommes actuellement en déploiement de l'outil informatique. L'objectif est d'un déploiement complet avec l'outil CDM pour mars 2013.